créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous Tatikou. Nous avons demandé ta sœur et ta famille nous l'a accordé. Maintenant là, on ne sait pas ton rôle ici. Je suis là parce que ma sœur a des problèmes. Et je ne pourrais vous voir la menacer, je manque de réagir. Hey, donc tu es venu nous faire battre dessus? Nous ne sommes pas des animaux. Je suis venu pour qu'on discute. Mais si c'est pour la bagarre, hadia, je suis prêt depuis, hein. Diamant Kouné, Tatikou, qu'est-ce que vous venez de dire là? Mon beau, ne t'agite pas. Est-ce qu'il y a même un problème en réalité? Non. C'est Makamte qui veut remplacer l'homme. Elle veut prendre la place de l'homme. Elle veut décider de la manière par laquelle le bien de notre frère Mba doit être géré. J'ai dit non. A-t-elle droit ou pas? Voilà ce que nous ne voulons pas entendre ici. Tatikou, il est bien vrai que ce n'est pas toi qu'on attendait ici. C'est votre frère, le milliardaire, là. On appelle encore Mathias Fosso. Il n'y a pas de problème. Nous te respectons. Nous te respectons. Et avec toute l'humilité, nous te demandons de nous laisser tranquille. Ici, c'est une affaire de famille. Et de la famille Mba, et non de la famille Fosso. Ou Tatikou? Oui. Bon, j'ai compris. Je vais respecter votre décision. Mais n'exagérez pas. Tatinga, je suis une femme qui connaît son droit. Mm-hmm. Et j'ai le droit de prendre un assistant. Voilà. Alors, mon frère ici présent m'assiste. Mm-hmm. Il ne bouge pas d'un pouce. Mm-hmm. Et c'est ce que prévoit la loi de notre pays. Mm-hmm. Makamte, ce que tu engages là va te dépasser. Je te le dis. Tatinga, tu as tes moyens de représailles. Moi, j'ai mon Dieu. Mm-hmm. Tatikou doit quitter de chez mon frère. Et aller faire sa bourse là où je ne sais pas. Ou alors aider son frère Fosso à gérer ses deux femmes. J'ai dit que mon petit frère ne bouge pas d'un pouce. Et si tel en est le cas, nous partons tous d'ici. La réunion est annulée. Mm-hmm. On part. La réunion est annulée. Ta cousine est passée ici aujourd'hui. Mirabel est passée ici.
Oui. C'est à célébrer ça. Non. Elle s'est excusée vraiment et s'est même en voulu. Elle ne t'a pas promis pour le problème d'enfant? Non. Tu sais, quant à cette situation, Mirabel s'est toujours abstenue de porter critique. Elle n'a pas trop le choix. Tu sais, elle a vécu la même situation avant d'enfanter Média. Et c'est même pour cette raison que mon patron a épousé Yvonne. C'est vrai. Elle m'a tout expliqué. Et en me réconfortant, elle m'a recommandé d'être patiente. Nous le sommes déjà, chérie, n'est-ce pas? Si, mais c'est pas toujours facile, bébé. Ça va aller. Mmh. D'accord. C'est vrai que quand un homme se marie, sa femme récupère les fonctions de sa mère. Hein? Pourquoi cette affirmation? Parce que quand j'étais tout petit, ma mère me massait souvent avant que j'aille au lit. Et aujourd'hui, c'est toi qui le fais. Alors, maintenant, comment te sens-tu vis-à-vis de moi? Bien, même à l'intérieur de toi. Comme pour dire que le plus grand, c'est celui qui sait le plus. C'est maintenant que je comprends ce que Jésus-Christ a voulu enseigner en lavant les pieds de ses disciples. Où as-tu appris cela? Au séminaire, quand j'étais petite. Je devrais avoir 16 ans. Mon amour? Oui, mon cœur. Je me demande si Mirabel a l'habitude de te faire ça. Je ne pense pas qu'elle connaît de telles choses avant même de ne pas les mettre en pratique. Tu m'as enseigné quelque chose de formidable ce soir. Bref, je comprends pourquoi tu es toujours en train de me masser maintenant. Chérie. Oui, mon cœur. Je vais te dire quelque chose. Mirabel marche avec une fille de mauvaise vie. Meurtrière. Criminelle. Quoi? Au lieu de prendre soin de moi comme tu le fais, elle passe son temps à marcher avec des criminels. Oh. Monsieur Tasinga, j'espère que vous avez bien compris qu'une femme comme celle-ci ne doit pas être perturbée. Vous devez la laisser réfléchir et savoir quelle décision prendre. Néanmoins, vous pouvez l'assister si elle le veut. Et si elle ne veut pas? Vous la laissez et vous contrôlez que l'enfant laissé par votre frère est bien entretenu. S'il n'est pas bien entretenu, vous nous saisissez. Hey, donc c'est dit que tous les biens, appartements, pharmacies, immeubles près de 12, sans compter la banque communautaire, doivent rester dans ses bras. Bien sûr. Non. Puisque l'enfant est mineur, il revient à sa mère de gérer les biens du mari. À moins que ce dernier ait laissé un testament écrit et légalisé chez un notaire qui précise la gestion des biens. Monsieur, ce problème dépasse votre niveau. Vous ne pouvez pas comprendre. Puisque c'est vous qui m'avez recruté, venez donc m'apprendre mon travail. Mais enfin, vous avez l'air d'aimer les problèmes, hein, monsieur Tasinga. Non, monsieur, ce n'est pas que nous aimons le problème. On ne comprend pas comment vous pouvez permettre à cette dame d'avoir la même mise sur le bien de notre frère, assez. Même ventre. Assez. Vous n'êtes que des incrédules. Allez, sortez de mon bureau. Et n'osez plus jamais la perturber. Ça, c'est la pure corruption en plein jour. C'est quoi ça?
Oui. Tatinga, je t'avais dit. Je t'avais dit que ces gens-là ne peuvent pas résoudre ce problème. Yabaka. De petits gens comme ça qu'on les ramasse dans la rue, on ne sait où pour venir la par les parachuter derrière les bureaux. Tu te souviens du jour où j'ai pleuré en présence de mon amie Agnès? Oui, je me souviens. Et tu sais ce qui m'avait poussé à couler réellement ces larmes-là? Non, mais dis-le-moi, chérie. J'ai eu un sentiment en regardant un film à la télévision que tu m'abandonnerais un jour. Et une petite voix me disait toujours, « Loris, qu'est-ce que tu fais avec ce monsieur? Il ne t'aime pas. » Il ne t'aimera jamais. Il l'a aimé une seule fois dans la vie. C'est ce qui t'a fait pleurer? Tu n'as pas à t'en faire des idées erronées. Manga t'aime comme il a aimé Rose. Chérie, donne-moi ta main. Oui, la voilà. Juste pour te dire merci. Merci pour tout. Mais seulement dis-moi, à quand nos noces? Les noces, il y a fort longtemps que ça devrait être fait. Mais tu le sais toi-même. Ça a été renvoyé par rapport au mariage de Motunde. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai un rendez-vous final avec lui. Et ce qu'il décide, je cède. Safak, j'ai beaucoup de respect pour toi. Non seulement parce que ta cousine est notre femme, mais pour le sérieux dont tu fais preuve quant au travail que tu abats dans l'entreprise de mon petit frère. Maman Kamte, merci pour le compliment. Je vous serai serviable auprès de Mathias tout le reste de ma vie. Tu es loyal et un homme digne de confiance. C'est pour cette raison que j'ai tenu à discuter avec toi. Quant au bien de M. Mba, qui font l'objet des déchirements entre Mebo et moi. Mon patron m'en a soufflé un tout petit peu. Ton caractère et ton humilité font fléchir tout ce qui est tenu en secret et dont on préserve la propagation. Mathias ne pouvait ne pas t'en parler. Voilà pourquoi j'ai besoin de tes conseils. Écoute, maman Makamte, ce que tu me demandes là est simple. On doit trouver un cabinet juridique qui doit t'assister pour ce problème-là. C'est tout. Tu sais, je n'ai pas fait droit. Mais tu as la logique en toi. Je la vois se mouvoir dans les affaires de mon petit frère. Quelque chose me dit que tu dois m'assister. Là où tu me demandes de m'arrêter, je vais le faire. Et s'il faut continuer, je vais t'obéir. Safak, tu dois m'assister. Ne me lâche pas. D'accord. Je vais discuter avec Edwige et je te mettrai au courant. Je compte sur toi. Peut-être les documents que nous cherchons peuvent être dans cette enveloppe. Mais dépouille-le rapidement avant qu'on ne nous surprenne ici. Pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, Tatinga? L'idiot n'y a foutu que des photocopies?
J'ai cru que les carottes étaient cuites. Elle a dû nous piéger expressément. Hein. Comment? Hé, hey, Tatsinga. Oui. Regarde. Voici l'original de l'acte de l'enfant. Fais-moi voir. Ah! Tabumbo! Ça, c'est bon. Dans tout ce qu'on fait avec amour pour la chose, on y parvient aux bonnes inspirations. La nature va nous inspirer. Tatsinga, oh, au chana. Retournons et gardons espoir. 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 Tout le monde en a besoin. Encore ce matin, où je n'espérais pas utiliser ça. Tu ne peux pas me laisser pour un an. J'avais accouché. C'est comme ça que je porterai mon bébé. Que ce n'est pas bon que l'homme reste seul. J'ai rencontré mon mari. C'est un homme exemplaire. Mais je n'arrive pas à concevoir pour remplir l'une des principes. Celle de procréer et en vue de remplir la terre. D'où Jésus. J'ai besoin d'accoucher des enfants. Que je vais prendre soin. Comme tu l'as prescrit à l'homme. Bonjour madame. Je m'en doutais, j'ai failli rentrer. Souvent je la laisse fermer exprès. Mais où est l'autre douce créature là? Elle ne peut pas être avec nous à cette heure, car elle n'est pas élève. Et en plus c'est une épicière de renommée. Ah d'accord. C'est notre chouchou madame, nous l'aimons beaucoup. Il y a de quoi. Elle est vraiment gentille.
Madame, vous avez la conjonctivite. Non. Mais curieusement, vous avez les yeux tout rouges et la moyenne. Vous êtes sûre que ça va? Ma petite Saba, nous allons en discuter tout à l'heure, quand on sera seul, d'accord? Ok les filles, installez-vous. Merci madame. J'arrive. Hein? Pour le matériel que pour son prochain, alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour pas la guerre des biens, oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel, pourtant quand on part, on n'importe rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant, quand on part, on n'importe rien. Vanité de vanité. Humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent.